Bonjour, vous allez participer à une action e-déclic. Une action e-déclic, qu'est-ce que c'est ? Une action e-déclic, ce sont des chercheurs en visioconférence pour vous parler de la science en train de se faire. Ça commence par une visioconférence de 20 minutes, suivie de questions, et ensuite 1h30 de e-speed meeting, des rencontres individualisées en petits groupes avec des acteurs et actrices du monde de la recherche. N'hésitez surtout pas à prévenir votre enseignant si vous rencontrez un problème technique pendant ces phases. Un e-speed meeting, ça veut dire que vous êtes assis à une table avec un ordinateur où le personnel de recherche est en visioconférence avec vous et que toutes les 12 minutes, la cloche sonne. Quand la cloche sonne, vous changez de table pour aller rencontrer un autre personnel de recherche, lui aussi en visioconférence. Pendant la visioconférence ou le e-speed meeting, ce sera l'occasion de poser toutes les questions que vous voudrez. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro et à parler bien fort pour que le chercheur vous entende bien. Faites également attention à ne pas tous parler en même temps afin que le chercheur vous comprenne bien. Les questions que vous pourrez leur poser sont par exemple: sur quoi ces chercheurs font-ils des recherches? Pourquoi? À quoi leurs recherches servent-elles? Qu'est-ce que la recherche fondamentale? Si jamais des chercheurs ne sont pas d'accord sur un sujet, comment font-ils pour se mettre d'accord? Comment sont-ils devenus chercheurs? Comment sont-ils sûrs de leur découverte? Comment est-ce qu'une découverte faite par un chercheur devient-elle une connaissance universellement acceptée? Que ce soit ces questions ou d'autres, vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à au moins 5 ou 6 questions que vous poserez aux chercheurs qui viendront. Vous avez maintenant une idée de ce qui vous attend. À très bientôt!